comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Donc là on fait du ski, on est à la montagne, on est au Menuire. Bah non, regardez. Ah oui, il y a un plafond. On est où? En Égypte. On est toujours en Égypte, au Caire. On est dans le tout dernier centre commercial ici et il y a une piste de ski et on va s'amuser pendant une heure ou deux à faire du ski. Alors, il y a qu'une piste, hein. Il y a qu'une piste. On continue, allez-y les filles, je vous suis. Et après, il y a des toboggans, il y a des boules gonflables, il y a des pingouins aussi. Mais avant de continuer cette aventure ici, je vous propose de revivre le début de cette journée. Allez, c'est parti, marche arrière. Allez, on est parti pour une magnifique journée. Ça y est, là, on est en direction du ski. Ça va, vous avez bien dormi les filles? Oui. Eh bien, il y a à peu près une heure et demie de route, ça doit avoir des pentes de bouchons. C'est parti. Ça y est, on est arrivé au Mall of Egypt. Alors ça, c'est le tout dernier centre commercial qui est ouvert au Caire il y a à peu près 2 ans. Et là, on va justement se diriger vers la piste de ski. On va peut-être voir les pingouins. Allez, on continue, on avance, on va voir où est le ski. Je sais pas où c'est. Emmène-moi au ski Egypte. Ça y est, on arrive. Ski Egypte, c'est ici. Ça y est, on a nos billets pour le snowpark. Il n'y a pas que du ski, vous allez voir. Il y a plein de petits trucs sympas ici dans ce nouveau centre commercial qui est ouvert il y a 2 ans. Voilà, il n'y a pas de façon de produit, on découvre. Et bien, on se retrouve sur les pistes. C'est-à-dire qu'on va faire l'introduction. Et nous revoici, eh bien, ici, à la piste de ski. Ski Égypte. Eh, pas en même temps, les filles. Catena. Ah, arrêtez. On continue de monter, Athéna. Est-ce que tu vas passer ta 3e étoile ici? Je ne crois pas. Ici, nous sommes au Ski Égypte, avec le logo du centre commercial. Il y a Carrefour ici. On fait du ski à Carrefour, nous. On est des fous! Bravo, Calice! Je me souviens, j'avais fait du ski à Dubaï. Et en plus d'un téléski, à l'intérieur, hein, bien sûr, dans le centre commercial, il y avait également un télésiège. Il y avait 2 pistes comme celle-ci. Ça va, Athéna? Ouais, génial. On pousse avec les bâtons. Ça va pas très vite, hein. Il va pas très vite du tout, le téléski. Ça va, Athéna? Elle est toujours aussi folle, elle. Est-ce que ça fait plus mal quand on tombe ici que en France? Je ne sais pas. Tu vas? Non! Déjà au sommet, le boss.
s'envole comme Aladdin. Bon voilà, comme vous avez vu, le ski, on a fait les bosses, on a fait la piste, on a fait le tire-fesse, on a fait les tapis. Sur la gauche, vous avez vu, c'est les leçons de ski. Voilà, on a vite fait le tour, hein, c'est sûr. Mais, c'est, regardez, il y a le soleil, il y a le désert qui est là-bas quand même. Hein. C'est fort. Ah, j'adore. Ça y est, on arrive. Il y a de la poudreuse. Il y a de la poudreuse. Oh, il y a de la poudreuse. C'est du hors-piste. Caca. Oh, oh. Bravo Athéna. Allez, la dernière petite descente. On fait ce qu'on a envie. Tranquille. C'est parti Athéna. Et voilà. Allez, une piste, on a vite fait le tour, donc maintenant on va aller se rentrer, enfin on rentrer à l'intérieur, mais après il y a plein de choses à faire ici au snowpark du Caire. Allez, on a fini le ski et maintenant on se dirige, c'est un joli casque fluorescent, Athéna. Magnifique. Oh, oh, on découvre, on va faire de la luge sur glace, on va faire des toboggans de glace, on va faire des ailes. C'est joli comme ça. Oh, le petit ange, magnifique. Et voilà, le centre commercial est là. Vous voyez, on voit les gens qui passent. On voit le soleil là-bas avec le désert et tout. Et nous, on est à la neige. Snow penguin. Et les pingouins, ils sont où? Waouh, ça a l'air sympa. Hein, là. Là, il y a le petit train. En fait, je suis pas sûr que les pingouins soient là. Ils sont peut-être pas là tout le temps, parce que des fois il y a des pingouins vivants. Hein. Mais il doit y avoir des heures sans doute. Voilà. Et pour les animaux, c'est important de respecter leur rythme de vie. Donc je pense que les pingouins ils font leur petite balade ici, mais pas tout le temps. Voilà. Il doit y avoir des heures, mais je sais pas encore les heures. Elle glisse sur une luge comme ceci. Bravo. Patrice, yes. 3, 2, 1, c'est parti. Ah. Ah. Pourquoi moi j'ai ça? J'ai un tremplin. Ah. Allez, c'est parti. Calice est déjà en train de monter. On va faire de la grande luge de glace. Ah, il y a un toboggan. Ça, Athéna a le droit de le faire aussi. C'est excellent ça. On n'a jamais fait de luge comme ça dans la glace. Enfin, c'est pas de la glace d'ailleurs, mais ça va être sympa. Ah là-bas, il y a des petites bouées aussi. Ça, elle a le droit de le faire aussi, Athéna. Athéna, attends. Ouais, Athéna, alors tu peux faire le toboggan et après tu pourras faire les bouées. Elle ressort ou pas? Un jour. Je ne sais pas où est la sortie. Je ne sais pas, mais c'est drôle. Ça existe pas. Bah dis donc. Calice, ça glisse. Ah oui. C'est carrément du mal. Attends. Dis-moi que c'est. T'es fou ouais. Oh, j'ai peur, regardez, je suis comme un os. Allez, vas-y. Ça glisse trop bien. Un toboggan de glace. Ça glisse bien. Calice,
Bonne chance, Calice. C'est parti! Swing! Ouais! C'est bien! Tu veux qu'on aille faire des bouées rondes derrière? Ah, c'est là normalement les pingouins. Donc vous voyez, ils sont pas là tout le temps. Ils font leur petit show de temps en temps. Ils viennent se baigner. Allez, on va faire les luches comme ça. C'est pas maintenant? C'est parti! Ouais! C'est parti! Génial! Et maintenant, on va faire la grosse boule. Wouhou! Allez, c'est Calice qui commence. Il va sauter dedans, tel un kangourou. C'est parti! Bye bye! Au revoir, bon voyage! À ton tour, Athéna! T'as pas peur? Allez, vas-y! Ouais! C'est bon, Athéna! C'est parti! Complètement secoué dans tous les sens. Une vraie machine à laver. À moi. Bah moi, ça va secouer. Je vais pas assez à filmer, je pense. Allez! Oh, elle est bien. C'est parti. It's okay? It's okay? Yes? Okay. Je suis tombé dans le trou. Hop. You. Yes. Nice. Nice. Thank you. Elles sont parties le refaire. Elles sont parties le refaire là-bas. Donc ça, vous avez envie de le refaire tout de suite. Ça vous a plu, on dirait. C'est bien la machine à essorer. Athéna, t'as été secoué dans tous les sens toi. T'as aimé? C'est vrai? Génial les filles. Tu aimes bien ça. C'est parti! Wouhou! Le saut de fou! C'est parti pour Calice! À l'arrivée, c'est trop drôle! Bravo Calice! T'as bien sauté à la fin! Allez, autour d'Athéna! Athéna est dans la place! C'est parti pour Athéna! T'as vu comment elles sont? Ouais! Alors, c'était comment? Très bien! Ouais, trop bien! Allez, Calice, c'est toi qui filme cette fois. Bonjour! Attention, les amis, on va tous mourir! Il y a quoi à la Calice? Des pingouins. Pingouins. Des pingouins en Égypte. Oh, il y a des pingouins.
Voilà, ok. C'est des vrais, du coup? Oui. Oui, il va sauter. Oui! C'était bien les pingouins, hein? J'ai eu beau le roi. Youhou! C'est pas d'Adena? Et c'est parti! Allez, on va faire le petit train. Hein? On va conduire la locomotive. Ça fait bruit. Ready? Yes. Ready? On est prêt. T'es prêt, Athéna? Oh, elle est belle ta boule de neige. C'est pas moi qui l'ai fait. Ah bah, en tout cas, c'est gentil de t'avoir donné une belle boule de neige. C'est qui est là? Check. Oh, elle a raté le train, Calice. Oh, on retourne en France, nous? On retourne à Paris? Parce que là, on n'est pas à la montagne, hein. On est en Égypte, en plein désert. Et on fait du ski. Et du train. Et des boules de neige. Bon, allez, après, je crois que bah, ça va être la fin. On s'est bien amusé. Check. Et voilà, donc, le centre commercial. Voilà. Passons à la vengeance, ouais. Et ça se finit en bataille de boules de neige. Et voilà, on a passé une bonne matinée ici à Ski Egypte. Maintenant on va aller peut-être manger un bout, on va retourner dans le centre commercial au chaud. Alors ça y est, on est sorti du ski Égypte. Athéna. Tant pis, au revoir Athéna. Là-bas il y a Calice. Hé hey, Calice, alors, c'était bien ou pas? Yes. Ski. Ouais. Alors, ça y est, on est au food court. Il y a tous les restaurants où on va aller manger quelque chose. Je pense qu'on va trouver notre bonheur ici. Ah, on a pris un bon kebab. Au poulet et au bœuf pour moi. Bon appétit. Donc là j'ai pris un petit produit anti-moustique parce que Athéna s'est fait piquer, vous le savez, beaucoup. Ça va, ça va. Allez, on va payer, on s'en va, on est ici à Carrefour, en centre commercial où on a fait du ski. Athéna, on a trouvé un Mickey égyptien. T'as vu? Il est tout rose, il s'est fait piquer par des moustiques aussi. C'est un Mickey égyptien. Donc là en fait on recherche son Magic Planet, je sais pas trop ce que c'est. Ah bah c'est ça. J'ai l'impression que c'est une sorte de salle d'arcade où il y a des petits jeux vidéo. Alors je sais pas si c'est très intéressant, on va voir. C'est plein de trucs de ce genre déjà. Un roller coaster qui tombe comme ça. C'est mal comme ça. Trampoline. Ça, elle a envie, Athéna. Elle a envie, mais je sais que si on reste là, on va y passer 2 heures ou 3 heures. Il y a même un trampoline comme on a fait avant-hier. Et Athéna, il y a écrit oiseau chariot. Non? Il y a écrit quoi? Il y a marqué Picadi. Oui, Picadi, les circus.
Alors pour l'instant, les petits copains ne comprennent pas pourquoi ça nous fait rire, mais vous comprendrez plus tard. Voilà, on vous réserve une grosse surprise, mais on en parlera plus tard. Allez, on continue, on va peut-être sortir d'ici, on va s'y connaître. C'est sympa, hein, c'est sympa, mais je crois qu'on n'aura pas le temps. C'est bon ça, c'est appétissant ça, les petits bonbons. Là, on va chercher un donut, c'est par là, on va aller chez Dunkin' Donut. On adore les donuts. Moi, j'aime bien les donuts. Alors, Sena, t'as fait quoi comme petit donut? Fin de cappuccino. Yes! On est chez Dunkin' Donut, moi j'ai pris à la myrtille. Et toi, Calice, tu as pris sur la sirop d'érable. Ah. Ok. Sena, toi qui sais bien lire, il y a écrit quoi là-haut? Sur le magasin, là. Parfois. Oui, parfois. Exactement. Et là, il y a écrit quoi? Paul, ça c'est un prénom français. Et ça y est, on quitte le mall. Je vous mettrai le nom du mall en description. Attrape-mouche. Oh, c'est un attrape-mouche, t'as raison. On arrive, alors ils sont même pas lâchés. Ah si, ils sont là les tocos pour nous dire bonjour. On est arrivé. Oh, alors ça c'est notre petite evening routine chaque jour. Eh bien Calice et Athéna jouent avec les chiens, avec Spot et Zico. Spot. Assis. C'est bon bien chien. Spot. Spot. Allez debout, c'est bien. Spot. Non, il n'y a rien là-dedans, c'est une poubelle. Spot. C'est ma poubelle ça. Spot. Et ça c'est mon pied. C'est mon pied ça! C'est Spot. Mon pied! Spot. Il marche au pied! Zico! Alors Zico c'est un chien égyptien et Spot c'est un chien de race. Alors je sais pas, mais j'ai l'impression que lui il oublie moins. Zico! Assis! Assis Zico! Assis! Je cherche pas avec Zico. T'arrives quoi? Avec Spot c'est facile. Et voilà, ça y est, c'est la fin de journée. On a mangé des pâtes ce soir, voilà. On a joué aux jeux de société, on a joué au tabou. Et. Eh bien moi j'étais avec Athéna, mais ça à partir de 12 ans. Donc nous on a perdu tout du tout. Mais c'est pas grave, Calice a gagné avec Roxane. Voilà. Bon bah les filles, j'espère que vous avez passé une bonne journée, vous avez bien skié. Elle est super ton araignée Harry Potter. Tu vois? Attends, il y a la patte qui s'est rentrée, elle ne peut pas se remettre. Abracadabra. Regarde. Là. Ah ouais. Quatre. Là ça bouille. Là ça deux, bouille. Trois. 1, 2, 3, les pattes, 1, 2, 3, c'est des pattes. Ouais, les filles, bonne nuit, à demain pour de nouvelles aventures ici en Égypte, au Caire. Je vous fais plein de gros bisous. Et alors, il y en a qui vont se demander comment ça se fait, on va en Égypte et on va dans un centre commercial. Et d'ailleurs, on y est aussi il y a quelques jours dans un autre. Mais en fait, on fait un programme différent. On a changé le programme avec Calix et Athéna. On ne fait pas que des musées, c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus. Par contre, les pyramides, vous avez aimé, le village pharaonique, vous avez aimé, faire du ski, vous avez aimé, et puis faire le trampoline, vous avez aimé, Kizania aussi. Donc voilà, on fait du traditionnel, on fait de la culture, du culturel, on fait de l'historique, mais on fait aussi du divertissement pur et dur. Voilà. Bon, allez, à demain pour une nouvelle aventure. Demain, ça sera plutôt culturel pour le coup. Allez, à demain, gros bisous. Et petite conclusion. Soyez bien. Soyez bon. Je vis mon rêve.